RDC une nouvelle dépréciation du franc congolais. Après le bon comportement constaté pendant quelques jours, soit du 13 au 17 janvier où la monnaie locale s'est négociée autour de 11 000 francs pour 1 dollar, le franc congolais a chuté à 1 290 francs ce jeudi 19 décembre, alors que la veille, il se négociait à 1 250 francs. Une situation qui torpille les efforts fournis par la Banque centrale du Congo, qui a mis en place une série de mesures lors de son dernier comité de politique monétaire, tenu le vendredi 13 janvier à Kinshasa. Nous avons été conduits à prendre ces mesures de politique conjoncturelle pour la stabilisation du cadre macroéconomique en décidant de l'intervention sur le marché des changes. Nous avons également décidé de la réunification de plusieurs comptes dans un seul compte du Trésor. Donc, cela nous a conduit à préconiser la fermeture des comptes de l'État qui sont éparpillés dans les banques commerciales. Plusieurs facteurs définissent le marché des changes en République démocratique du Congo, à savoir la chute des cours des matières premières, la non-diversification de l'économie, la faible ou l'absence de production locale qui impose au pays des dépenses considérables pour l'importation des denrées alimentaires. Cependant, certains économistes estiment que la construction d'un marché d'échange par la Banque centrale aiderait à maîtriser en tant soit peu la situation. La Banque centrale devrait construire dans ce pays un véritable marché d'échange et tisser ce marché de telle sorte qu'il soit ce qu'on appelle techniquement le marché interbancaire, dans lequel la monnaie nationale peut avoir la chance d'acquérir ou de conquérir sa convertibilité. Après une période de plus de 5 ans marquée par une stabilité relative de la monnaie nationale autour de 920 francs congolais le dollar, le taux de change a dépassé le cap de 1200 et 1260 en 2016. Pour contenir l'inflation, la Banque centrale du Congo est intervenue à 3 reprises au cours de l'année 2016 en injectant une somme globale de 250 millions de dollars américains.